Bonjour. Eh bien, nous voilà de retour pour la Roncelle-Ortie 2014. Nous sommes aujourd'hui à Saint-Imier, dans l'Isère, et où on avait déjà tourné quelques épisodes sur les plantes qui étaient mises sur le bord des routes. Et là, on est dans la nature, on n'est pas loin des maisons, mais on est dans la combe du Manival. Enfin, la combe est un peu plus loin, là il y a le torrent du Manival, qui à l'heure actuelle n'a pas beaucoup d'eau. Et puis, les employés communaux ont décidé de laisser pousser les églantiers avec ce que je vous avais déjà montré il y a assez longtemps, les gratte-culs, les cynorhodons. Alors là, ils ont gelé un peu cet hiver, donc la pulpe s'en va. On peut trier, enlever ce qu'on appelle le poil à gratter, et ça fait comme de la confiture. Et ça, c'est très bon. On peut aussi en mettre sur le bout du nez du caméraman. Voilà. Alors, et nous sommes encore en hiver. Hein, on est en hiver. Et on trouve, tant qu'il n'y a pas de neige, on trouve à manger. Hein. Ouais, le 14 mars 2014. 14-3-14. Facile à se rappeler. Donc on commence plus tôt qu'on pensait. C'est bon, alors on dirait de la confiture toute prête, sauf que c'est pas très sucré. Alors ça, au niveau vitamine C, c'est sensationnel. C'est une bonne cure. Et puis c'est joli, moi, je trouve. Alors, les oiseaux en mangent un peu. Et les gens-yves en mangent beaucoup. Alors on va aller voir un peu ce qui se passe plus loin. Alors là, on a une plante mal aimée et pourtant comestible cuite. Je recommande pas de la manger crue, c'est très laxatif. Le rumex. Et le rumex est proche de l'oseille. Et on peut justement le manger en épinard, comme l'oseille cultivée. On peut en mettre un peu dans une omelette. Et puis, ça sert aussi à se laver les mains. Alors là, j'ai pas d'eau sous la main, mais on peut la frotter. Quand on a de l'eau, on frotte ça. Ça fait un peu savon, pas comme la saponaire, mais c'est plus acide. Et on se lave les mains avec l'oseille. Mon père faisait ça au jardin, avec l'oseille cultivée, mais aussi bien avec celle-là. Et je vais en prendre un petit peu avec moi, puis si tout à l'heure on a de l'eau, ben, je vous ferai voir. Et dans quelques temps, on repassera dans les environs avec Damien pour cueillir quelques plantes à droite et à gauche, et on les cuisinera devant les caméras, et on vous fera voir que c'est pas de la rigolade, on les mange réellement. Alors une plante qu'on avait déjà vue plusieurs fois, mais alors là, les touffes sont vraiment magnifiques, le géranium Herba Robert, avec de belles feuilles toutes neuves, là. Regardez-moi ça, si c'est beau, ça donne envie, je vais en manger un petit peu. Et ça, mes enfants, c'est pas de la merde. Géranium Herba Robert. Alors quand il vient juste de faire ses petites pousses comme ça, il est à la fois un peu amer et sucré. Bon, moi je suis habitué, peut-être que certains feraient la grimace en goûtant ça. Mais ça en salade. Une simple salade avec un petit peu de vinaigrette, ouais. Non, c'est sympa. Alors, par contre, ça, pour moi, à mon goût, ça supporte pas l'huile d'olive. Ah, pas du tout, d'accord. Ça se marie très mal une ou... Une autre huile, mais l'huile d'olive, ça donne un goût... Ouais, ça se marie mal, quoi. D'accord. Pour moi, après... Dans la campagne profonde, lorsqu'on entend chanter le coucou, on peut découvrir au printemps naissant une plante qui elle-même s'appelle le coucou. La primevère lancéolée. Voilà. Et le coucou, ben on peut en faire de la tisane pectorale, donc pour contre la toux, et c'est bon pour avec des violettes. Quand j'étais petit, on ramassait des coucous et des violettes. On faisait sécher ça, alors ça devient le coucou pas trop, mais alors la violette, ça devient vraiment tout riquiqui, il en faut un sacré paquet. Il faut les faire sécher à l'ombre. Et puis je répète, on n'est pas des sauvages, on ne va pas ramasser 2000 fleurs si on en boit qu'une douzaine de fois dans l'année. Et puis alors le coucou, bah, ça se mange aussi. Hein. Alors c'est joli, mais c'est aussi très bon. Ça a un bon petit goût. Alors, on peut en mettre un petit peu dans les salades. Moi, j'ai essayé le chips. Je l'ai fait frire. Ah oui, en chips? Ouais. Et j'avoue que c'est assez exceptionnel en chips. Ah ouais. Eh ben, alors là, j'apprends quelque chose. Ouais. Mais tu les trempes dans un truc ou que comme ça? Dans un bain d'huile. Ah ouais. Avec du sel.
coucou dans un bain d'huile. Mmh. Voilà. Alors là, on a une plante que dans notre région, on appelle le sarameijou, ce qui veut dire se serre à midi, parce que meijou, c'est midi. Le sarameijou, eh bien, le vrai nom du sarameijou, enfin, d'un des sarameijou, c'est la barcosie à feuilles de pissenlit. Et il y a aussi plusieurs picris qui sont comprises dans les sarameijou. C'est un nom un peu générique. Les sarameijou, ça va être la saison maintenant. Celui-ci est même en avance puisqu'il va déjà fleurir. Il va faire des fleurs jaunes avec des petits traits rouges. C'est dépuratif. Donc une salade avec des pissenlits, des sarameijou et différentes sortes de picris, avec aussi des lampsan qu'on verra peut-être un peu plus loin. Dans le coin, il n'y en a pas. Et bien tout ça en salade au printemps ou comme maintenant en fin de l'hiver quand il fait très beau, et bien c'est très bon pour la santé, ça vous met la forme pour les mois à venir et en plus on s'en régale. Alors c'est, certains disent que c'est très amer, moi je trouve que c'est pas particulièrement amer, c'est un peu poilu mais ça passe très bien, une fois qu'il y a la sauce on s'en rend pas compte. Et alors ça, les anciens, ils mangeraient ça sur la tête d'un pouilleux, comme on dit. Bah, beaucoup entendent parler de sarameijou, mais sans réellement savoir à quoi ressemble le sarameijou. Non, bah, à côté de chez moi, j'habite à Mélan. À Mélan, à 300 mètres de chez moi, il y a une rue ou une impasse des sarameijou. Et quand une fois quelqu'un a demandé ce que c'était les sarameijou, ils ont dit que c'était les pissenlits. Or, ce ne sont pas les pissenlits. Le sarameijou, c'est la barcosie à feuilles de pissenlit et certains picris. Et le pissenlit, bah, c'est le pissenlit. Hein. Chacun chez soi et les vaches seront bien gardées.